Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 avril 2018 et aujourd'hui, eh bien, je suis bouleversé pour deux raisons. La première, et vous l'êtes tous comme moi, ce qui se passe en Syrie, mais nous allons en parler après. La seconde, c'est que j'ai été appelé par une personne, par une maman, qui a perdu son fils qui était un athlète, un type en parfaite santé, qui est devenu malade juste après qu'on lui ait fait son vaccin contre l'hépatite B et contre le tétanos. Et quand je dis malade, c'est malade à en crever parce que le pauvre en est mort. Alors sa maman m'a entretenu de ce drame absolu, de sa souffrance. Ce garçon qui n'avait pas à souffrir, qui était un athlète, et qu'on a massacré, que vous, bande de salopards de médecins, vous avez massacré. C'est une honte. Vous êtes une honte pour l'humanité. Je vous jure que vous le paierez. Mais j'ai hâte que le petit Bokassa soit jeté dans une poubelle et qu'un gouvernement de citoyens se mette en place pour condamner les médecins. Parce que vous êtes les chiens des labos et vous assassinez nos enfants. C'est insupportable, insupportable ce que vous faites. Intolérable. On a même fait des simulacres d'opération avec ce gosse, en prétendant qu'il avait été opéré. Et quand la mère désespérée l'a ramené dans une clinique pour voir un autre neurologue qui a fait un scanner immédiatement et qui a constaté que les tumeurs au cerveau qu'il a faites n'avaient pas été opérées comme ils avaient prétendu qu'elles l'avaient été, et qu'il n'a pas voulu témoigner pour pas avoir d'histoire. Mais vous êtes une bande d'ordures. Mais c'est honteux ce que vous faites. Vous savez tous que vous êtes coupable. Et vous vous planquez là. Mais c'est un scandale. Vous me dégoûtez. Et ne laissez jamais vos parents, les vieilles personnes toutes seules à l'hôpital. Ils les assassinent. Alors ils vont dire, oui, non, c'est pas vrai ce qu'il dit, monsieur Gendron. Écoute, on a des preuves de tout ça, hein, on le sait, hein. Évidemment, les petites mains, là, auxquelles on fait pas confiance, là, les aides-soignants, eux, ils savent tout. Attendez qu'un journaliste, un jour, qui en est, là, bien placé, au lieu de les avoir derrière, il aille interviewer ces gens-là. Mais il y a le secret, évidemment, il y a le secret. Ah oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que cette femme désespérée qui a perdu son fils, elle est en train de trembler pour sa fille aujourd'hui. Pourquoi? La gosse, elle est en fac de médecine à Grenoble. Et maintenant, on veut vacciner sa gosse avec l'hépatite B qui a tué son frère. Sinon, elle n'a pas le droit de se présenter à ses examens. Non, mais vous avez vu ça où? D'où vous sortez des conneries pareilles, des saloperies pareilles? Mais foutez la paix à nos gosses! On sait que les vaccins sont toxiques. On le sait. On le sait. Principalement sur l'hépatite B. D'ailleurs, je vais vous donner une information que vous ne savez pas. Ben, comme ça, vous saurez pourquoi il y a des épidémies de méningite dans les écoles. Vous savez quoi? Un des effets secondaires du vaccin de l'hépatite B, c'est la méningite. Après, on va inventer un vaccin contre la méningite. Le méningocoque. C'est un scandale, tout ça. Ah, ils vont pas aimer les labos. Ah, ça, c'est sûr, ils vont pas aimer. Hein. Ah, ça, les gens comme nous, ils aiment pas du tout. Pas du tout. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a bouleversé. Louloute le sait, elle est super inquiète. Parce qu'avec un truc comme ça, je déclenche une migraine et je suis malade pendant 48 heures. Parce que ça me rend dingue de voir ça. Ça me rend dingue. Et puis de voir en plus des sonneurs d'alerte qui se tirent dans les pattes. Eh les gars, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On est là justement pour aider les gens qui souffrent. Pour les informer. On n'est pas là pour dire, oui, moi je fais toi, mais je fais mieux. On n'en a rien à foutre de l'ego, là. Et il faut apprendre à grandir un petit peu. C'est comme cette cloche-là qui me fait un commentaire débile. En tous les cas, hier soir avec Louloute, on était pété de rire. Hein? Je te remercie, hein? Celle qui a dit que les Alsaciens n'étaient pas racistes. Mais madame, mais tous les gens sont racistes. Dans toutes les régions, vous trouverez des racistes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est français, c'est typique ça. Mais en Amérique, c'est pareil, hein. Ah, si vous êtes étranger, si vous parlez une autre langue, oh, ouh là là, on vous tape sur les doigts, hein. Attention, t'as pas de notre langue, toi, là-bas.
On est en Amérique, on parle américain. Ben, en France, c'est un peu pareil, hein. Vous savez, là où j'habite, il y a le Père Noël. Il y a un des 50 Père Noël officiels. Il est danois. Et un jour, il a été au syndicat d'initiative, il a parlé en anglais. Et on lui a dit, attendez, monsieur, ici, on est en France, on parle français. Et on n'a pas voulu lui répondre. C'est vous dire le niveau. Non, mais les gens sont cons, c'est comme ça. Oui, moi aussi, mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, je vais commencer par une devinette. D'accord? On va commencer par une devinette. Qui est le roi des cons qui a dit cela? Je crois encore que les cinq rois peuvent être défaits. Je crois encore que l'on peut résister à l'Iran. Je crois encore que l'on peut résister à Poutine. Que c'est un nain, que Poutine est un nain. Je crois encore que c'est un mauvais joueur d'échecs. Que c'est lui faire trop d'honneur et faire insulte aux échecs que de le considérer comme un grand joueur, j'allais dire. Comme un grand joueur d'échecs extraordinaire, je crois encore que la puissance chinoise, que les Chinois n'inventeront pas l'universalisme et l'humanisme de demain. Non, 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 attendez. Alors, déjà, celui qui a fait cette citation à la télé, parce qu'il passe toujours à la télé, je ne comprends pas comment on peut lui donner la parole, de quel droit il parle à la télévision en notre nom. Alors, déjà, quand il dit « je crois encore que les cinq rois peuvent être défaits », alors évidemment, là, on comprend rien. C'est quoi les cinq rois? Cinq rois. Les Five Kings. Alors, vous dites, c'est quoi ça? Puis après, vous faites une petite recherche. L'Empire et les cinq rois. Alors, ça, c'est un livre qui vient de sortir. Et cinq rois de Perse, de Turquie, de Chine, de Russie ou d'Arabie qui veulent ressusciter leur royaume de leurs cendres et s'y croient encouragés par les doutes qu'ils nous voient entretenir sur notre propre légitimité. Quel est le grand imbécile? Non. Le grand savant qui se fait de l'autopromotion. Alors, il a une chemise blanche. Il est philosophe. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il a même déclaré un jour que ceux qui s'attaquent au sionisme sont des antisémites. Et ça, c'est une phrase qui m'avait frappé parce que le sionisme, c'est vraiment un mouvement politique qui est complètement anti-religieux et qui n'a rien à voir avec la religion juive, par exemple. Et le pire, c'est qu'il y a des juifs qui sont anti-sionistes. Donc, nous avons des rabbins antisémites. D'après ce grand philosophe, qui est tellement intelligent qu'il connaît tout mieux que tout le monde. Alors, en plus, je crois encore que l'on peut résister à l'Iran. Est-ce que sincèrement, vous avez des Iraniens qui sont là pour vous pousser de leur présence et de leur impérialisme? Ben, les Iraniens, je trouve que c'est un peuple plutôt discret, très humain, qui sont avides qu'on vienne les connaître, qu'on vienne parler avec eux, et qui sont plutôt pacifiques, mine de rien. En tous les cas, ils sont plus pacifiques que le Quatrième Reich américain, hein. Alors, je crois encore que l'on peut résister à Poutine, mais résister à Poutine, ça veut dire quoi? Poutine n'est pas notre ennemi, la Russie est plutôt notre amie, elle a toujours été notre amie, hein. Bien sûr, il y a eu le communisme, bon, c'est fini le communisme, donc résister à Poutine, mais Poutine, il veut pas conquérir la France, hein. Il a aucune intention de conquérir l'Allemagne. Il se défend, il défend ses intérêts, mais évidemment, la propagande qui est développée aujourd'hui contre M. Poutine est extraordinaire, surtout avec des imbéciles comme celui-là. Je crois encore que l'on peut résister à Poutine, que c'est un nain, que Poutine est un nain. Alors, je voudrais voir BHL et Poutine sur un tatami. Et là, on verra qui est vraiment le nain des deux. Alors évidemment, l'autre veut dire, oh non, 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 mais moi je suis pas un violent, je fais assassiner les enfants des uns et pas ceux des autres, mais je suis pas un violent, moi. Non mais, quand le grand tribunal de l'humanité sera mis en place pour juger ces assassins, dont ce philosophe, j'espère qu'il en prendra plein la gueule.
Je crois encore que c'est un mauvais joueur d'échecs. Alors, moi, je crois qu'avant, parce que mon père était un joueur d'échecs remarquable, était un champion d'échecs. Moi, je suis pas du tout un joueur d'échecs. Mais ce que j'ai appris à travers mon père, c'est que pour décider qu'un joueur est bon ou mauvais, il faut jouer avec lui. Alors, Bernard-Henri Lévy, avez-vous fait une partie d'échecs avec Monsieur Poutine? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non. Comment un philosophe digne de ce nom peut-il décider de lui-même, par lui-même, qu'un joueur d'échecs serait bon ou mauvais, si il ne l'a pas expérimenté lui-même? Donc c'est une fake news. Encore une. Que c'est lui faire trop d'honneur et faire insulte aux échecs. Y a vraiment qu'un pauvre type pour écrire des choses pareilles. Enfin, pour dire des choses pareilles, il les a pas écrites, il les a dites. Que de le considérer comme un grand joueur d'échecs extraordinaire, je crois encore que... Bon, c'est pas très gentil, ça. C'est de la propagande. C'est ce que j'appelle, moi, de la propagande intellectuelle, faite par quelqu'un qui met son nez partout où il y a des sales affaires, qui concerne des gens qui sont dans un tout petit pays et qui foutent la merde autour du monde. Et pourtant, j'ai le plus grand respect pour chacun. Et qui fait son autopromotion avec l'Empire et les Cinq Croix? Alors, pour quelqu'un qui vient donner des leçons, il faut quand même que vous vous intéressiez à l'histoire de Bernard-Henri Lévy et comment ils ont fait leur fortune. Ils ont fait leur fortune sur des exploitations de bois précieux en Afrique. Alors, vous imaginez bien que la main-d'œuvre africaine n'est pas très bien payée, donc ils ont pillé l'Afrique et ils se sont enrichis à millions, voire à milliards, j'en sais rien. Donc, quand quelqu'un est un esclavagiste colonialiste, je crois qu'il n'a pas vraiment intérêt à faire ce type de déclaration. Parce que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire, tu fais ce que je te dis, mais tu fais pas ce que je fais. Ben pour un philosophe, tu repasseras. Alors, vous pouvez voir ça sur http://www.bernard-henri-lévy.com, Bernard-Henri Lévy, François Sureau, La Croix, Empire et les Cinq Croix, Librairie aujourd'hui. Ça, c'est le lien pour les Cinq Croix. Mais pour la vidéo, vous pouvez la voir sur i24news.fr, sur Facebook. En plus, il n'a pas honte, hein, il y va carrément, lui. Il faut qu'on le voie. Pardon, il me fait éructer de bonheur. Hamdoullah. Bismillah. En fait, BHL suppute qu'il inventera, lui, l'universalisme et l'humanisme de demain. Lui qui assimile l'antisionisme à de l'antisémitisme, le propagandiste qui se mêle de tout et qui pollue les médias de sa propagande infâme. Un homme fait de la propagande infâme. C'est intéressant. Bon. Qui lui octroie ce droit de parler au nom des Français? Ah, moi je veux pas voir ce type dans la télévision. Je veux même pas l'entendre, je veux même pas le lire, ça m'intéresse pas. Un jongleur des mots, un manipulateur, ça m'intéresse pas. Bien que je jongle aussi avec les mots, mais moi je ne vous manipule pas, j'essaye de vous dire la vérité. Or, lui, sa vérité, c'est une vérité qui est contrôlée et qui va que dans un sens. Et ça, c'est très désagréable. De motiver les politiques pour aller dans son sens de pensée et de mauvaises actions. Oui, Bernard-Henri Lévy, tu es un homme qui fait des mauvaises actions. Et tu dis n'importe quoi. Et je trouve que c'est très dommageable pour notre culture française. Donc il faudrait que tu dégages un peu, hein? Tu dis, va-t'en, va rejoindre tes amis, Pierre Berger et compagnie. Va-t'en, 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 va-t'en. Alors évidemment, maintenant ce qui se passe en Syrie, parce que monsieur est contre la Syrie, on se demande pourquoi, vu ses intérêts, c'est pas difficile à comprendre, et c'est vraiment dommage. Parce que là, on est sur des intérêts humains, on n'est pas sur des intérêts partisans ou religieux. Ça commence à bien faire ça. Je bois un petit coup parce que Louloute va me dire, t'as va avoir des mal à la tête et puis elle va mettre des compresses et puis je vais dire, tiche pas, ça suffit, tiche pas. Voilà, c'est bon. Attaque chimique ou manipulation? Ali Hajij, étudiant en médecine, témoigne. Alors, Ali Hajij, c'est un étudiant en médecine syrien. Je travaille à l'hôpital central de Douma, aux urgences.
Le 8 avril, un immeuble a été bombardé en ville. Les étages supérieurs de ce bâtiment ont été détruits et un incendie s'est déclaré aux étages inférieurs. Les habitants des étages supérieurs présentaient des signes d'asphyxie par les fumées de l'incendie. Nous avons apporté les premiers soins en nous basant sur les symptômes de l'asphyxie. Un homme est venu, je ne le connais pas. Il a dit que c'était une attaque avec des substances toxiques. On a eu peur. Des proches, des blessés, se sont mis à se verser de l'eau les uns sur les autres. Là, ça montre vraiment la solidarité. Ceux qui n'avaient pas de formation médicale ont commencé à vaporiser dans la bouche des enfants un remède contre l'asthme, donc de la ventoline, je suppose. Nous n'avons vu aucun patient présentant des symptômes d'intoxication par des substances chimiques. On était filmé. Il y a eu un homme qui est venu et qui s'est mis à crier que c'était une attaque chimique. Cet homme, étranger au service, disait que les gens avaient été victimes d'armes chimiques. Les gens ont eu peur et ont commencé à se verser de l'eau les uns sur les autres, à se faire des inhalations, a confié un autre participant à la mise en scène de l'attaque présumée. Donc deux témoignages quasiment identiques. D'autre part, la société... Alors maintenant, ça, ce sont des témoignages des soi-disant attaques chimiques. Mais maintenant, on va continuer. Alors vous allez me dire, ça peut être discutable. Absolument. Je suis d'accord, ces témoignages peuvent être discutables, mais quand même, ils vont être validés. Et on y vient après. Alors maintenant, de mon ami Maxence Ferrari, qui est au Canada avec son épouse, ils sont merveilleux tous les deux, eh bien, il a publié une chose qui est très très intéressante. D'autre part, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Lynx Global Solutions Incorporated. C'est une entreprise qui fournit au gouvernement américain des mises en scène d'entraînement au département de défense américain dans la banlieue de Boston. La société recherche des acteurs indépendants qui joueront le rôle de terroristes, de bad guys, c'est des méchants garçons avec des flingues. Les méchants garçons et des otages avec une rémunération de $20 de l'heure. Les entraînements prendront place dans différentes villes des États-Unis, les trajets et les hébergements seront pris en charge. Donc, vous avez compris, c'est une société qui fait des mises en scène avec des acteurs. D'ailleurs, pour l'attentat de Boston, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a trouvé les mêmes victimes que l'on avait trouvées dans l'attentat des Twin Towers. Alors ça, c'était vraiment très étrange parce que c'était la même femme, par exemple, ou les mêmes hommes. Et donc là, cette société se débrouille pour faire des mises en scène comme Hollywood. Ça veut dire que ça ressemble à la Syrie, ça ressemble à un bombardement, ça ressemble à des victimes, ça ressemble à Las Vegas, mais en fait, c'est pas Las Vegas, c'est pas la Syrie et c'est pas les bombardements. Non, en fait, c'est juste des mises en scène. Et après, alors je vous donne le lien de la société, hein, si vous parlez un petit peu anglais, ce sera sympa. https://links2xglobal.com attaché. Alors là, vous tombez sur la société, ils vous expliquent tout ce qu'ils font. C'est vraiment des metteurs en scène. Et ils travaillent pour le gouvernement des États-Unis pour faire les attentats, les fausses victimes, les fausses... Enfin, tout est truqué. On est dans un monde du mensonge absolu. Et là, on a une preuve de manipulation absolument sordide de ce que font nos amis américains. US go home. Je vous signale que les chars américains traversent actuellement l'Allemagne pour aller faire la guerre contre les Russes. Alors que je vous rappelle qu'en Alaska, il y a une frontière entre la Russie et l'Amérique qui fait 60 à 70 kilomètres. Hein, l'ancien détroit de Bering, comme on disait. C'est comme ça que les Indiens ils sont passés de Sibérie en Amérique. Entre autres. Eh bien, au lieu de faire la guerre avec les Russes chez eux, les Américains, ils viennent faire la guerre avec les Russes chez nous. C'est vachement sympa. Tu veux casser la tête à ton voisin, mais tu veux pas le faire chez lui. Alors, tu le fais inviter par ton cousin, et tu vas chez ton cousin, puis tu lui pètes la gueule. Puis c'est tout. Comme ça, c'est ton cousin qui est responsable. Donc voilà. Mais ça continue pour la série, ne vous inquiétez pas. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé les services spéciaux d'un État, lequel? Celui qui fait les mises en scène, peut-être? En première ligne dans la campagne russophobe, parce qu'on a vraiment une campagne russophobe, d'être impliqué dans la mise en scène de l'attaque chimique présumée dans la Ghouta.
Nous avons des preuves irréfutables qu'il s'agissait d'une autre mise en scène et que les services spéciaux d'un État, hein, et qui étaient en première ligne de la campagne russophobe, ont participé à la mise en scène. À la mise en scène! La mise en scène, c'était linksglobal.com. T'as compris? Tu comprends? Allez, mec, on va faire un film, on va faire croire qu'on a des bombardements, des tout. Et vous faites les malades, hein? Vous faites vraiment les malades. Vous engagez les casques blancs, hein? Hein, t'engages? Loulou, t'engage les casques blancs. Ramène-les chez nous. Fais-leur faire leur cinéma, hanter ses décors et tout. Et puis après, ben, vous débarrassez de tout ça. Voilà. Alors, a déclaré Sergueï Glarov lors d'une conférence de presse le 13 avril 2018. Les casques blancs que Saucisse avait reçus chez lui, à l'Elysée. Des terroristes assassins, financés par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Chut, tu ne dois pas le dire. Chut. Je n'ai rien dit. Vous avez rien entendu. Je retire ce que j'ai dit. Le diplomate avait ainsi rappelé que des experts militaires russes se sont rendus dans les rues et les maisons de Douma dans la foulée de l'attaque présumée sans trouver trace d'utilisation d'armes chimiques. En revanche, j'ai publié que les services spéciaux syriens ont arrêté à la frontière turque un camion qui était lui-même bourré d'armes chimiques qui venait d'Europe. Oh, qui c'est qui ne les a achetés? Après, ou peut-être Sidi Kadou. Peut-être Sidi Kadou. Après s'être entretenu avec les médecins locaux et être allé dans le seul hôpital de Douma, où d'après les casques blancs, regarde, les enfoirés, ceux-là, s'entassaient des montagnes de corps. On a vu le Golgotha couvert de corps. Ouais, je continue. Le Golgotha, la montagne du crâne, sur le sommet du crâne. Le Christ a été crucifié sur le sommet du crâne. C'est rudement intéressant comme notion. D'après les casques blancs, s'entassaient des montagnes de corps. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas un corps. Pas une seule personne est venue se faire soigner après la supposée attaque. D'après les casques blancs, que les Français entretiennent. Enfin, les Français, nous, on les foutrait en tôle. Mais le petit Bokassa, il continue de payer. Il n'y a pas eu d'attaque chimique à Douma, c'est aussi simple que ça, avait-il alors soutenu en martelant qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène, par les casques blancs, spécialement entraînés pour l'occasion, par qui? Eh ben, sans doute par Links Global, peut-être. Je pose la question. Parce que ils le disent hein, dans leur site Links Global, ils peuvent former... des leaders, ils peuvent former tout ce que vous voulez. Tout, tu demandes. Tu peux l'amende ta femme, il le fait aussi. Il fait tout. Links Global, il fait tout. Un chef de terroriste, il le fait. C'est comme dans Iron Man 3, hein, avec le faux Fu Manchu. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, j'en étais où, moi? Oui, il n'y a pas eu d'attaque chimique à Douma, c'est aussi simple que ça, avait-il alors soutenu, martelant, qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène par les casques blancs spécialement entraînés pour l'occasion. Et vous pouvez deviner par qui? C'est qui? C'est qui? C'est ma fille qui m'envoie un message. Oui, d'accord, on verra. Oui, je vais prendre un bisou. Alors, vous pouvez deviner par qui avait-il encore lancé. Alors, vous pouvez trouver cet article très intéressant. https://français.rt.com. Alors, RT, c'est sans doute aujourd'hui le seul organe journalistique fiable qu'on puisse avoir en France. Parce que, alors là, si on se fie au Monde ou à Libération ou à je ne sais qui encore, on n'est pas sorti de la berge. Hein? Calme-toi, ma fille. Vladimir Poutine a estimé dans une déclaration que les frappes des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni en Syrie à l'encontre de Damas dans la nuit du 13 au 14 avril avaient été menées en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, ce qui est absolument vrai. Donc, nous les Français, sommes malheureusement devenus les complices d'un crime contre l'humanité à cause d'un incompétent
au pouvoir, qui n'a aucune expérience de l'exercice du pouvoir et qui ne fait qu'obéir bêtement aux Américains, ce que justement ne voulait pas le général de Gaulle. Le général de Gaulle, souvenez-vous des conférences de la chaise vide. Je vous encourage de faire des recherches. Le président russe a condamné ces attaques en Syrie, entre guillemets, où les forces russes aident le gouvernement légitime à combattre les terroristes. Les mêmes terroristes qui, contrairement à ce crétin qui fait ses émissions à la télévision depuis une trentaine d'années, et qui dit « Oui, les terroristes, c'est les Américains qui les ont entraînés, n'importe quoi, il n'y a que des cons qui pensent comme ça. » Eh ben, les cons t'emmerdent. Hein? T'as compris? Les cons t'emmerdent. C'est pas par hasard que tu restes à la télé, c'est parce que toi tu vas cirer les pompes et tailler des pipes à tous ces enfoirés qui nous assassinent. Excusez-moi, j'ai dit une grossièreté, mais ça m'a échappé. Alors, je vais pas dire son nom parce que c'est vraiment un clochard de première. Et puis c'est nul, ces émissions. Magnéto, Serge. Putain, mais c'est pas vrai, mais ces mecs-là, mais c'est vraiment des tâches. Devant le tribunal de l'humanité, toi aussi, tu vas y passer. Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad, a affirmé le président français Emmanuel Macron, président, le 12 avril 2018, au cours d'une interview sur TF1, répondant aux questions de monsieur Jean-Pierre Pernaut. Ouh, là 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 là. Ça vous rappelle pas l'Irak? Oui, l'Irak a des bombes chimiques, des bombes de destruction massive. Qu'est-ce qu'il a fait, Saddam Hussein? Il a tout ouvert. Vous pouvez venir chez nous, on vous laisse regarder absolument tout. Eh ben, ça l'a pas empêché de se faire assassiner, hein. Et ils ont déclenché la guerre, ils ont fait la même chose avec la Libye, c'est pareil. Voilà, les bébés, Kadhafi, il n'est pas gentil. Faut tuer Kadhafi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris le pognon de... de vous savez qui? Et puis après, il a dit, bon, on va effacer les traces. Mais souvenez-vous de ce que disait Roland Dumas, on était venu le voir avant d'attaquer la Syrie. Est-ce que ça intéresserait la France de faire partie de la joyeuse équipe qui va aller détruire la Syrie? Et Roland Dumas a dit, mais attendez, la Syrie est un État souverain, nous sommes en paix avec la Syrie. Bon, bah, tu veux pas venir, tant pis, hein, t'auras pas ta part de gâteau, hein. Et ben voilà, écoutez Roland Dumas là-dessus, bon, il a des casseroles, c'est vrai, mais là-dessus, il est très fort. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant, la venue également est bien programmée du prince saoudien ces dernières semaines qui a fait le tour des popotes occidentales avec son carnet de chèques, et ce, à la demande des USA, afin de promettre des commandes d'armement à la France et à la Grande-Bretagne pour qu'ils ne puissent pas faire autrement que participer et ainsi les ficeler définitivement. Comme quoi, c'est pas nouveau que les Français sont des traîtres et des lâches. Ben oui, parce que ils décident d'assassiner un peuple en échange de commandes d'armes pour faire fonctionner l'économie. Bon, je sais pas, est-ce que nos armes sont vraiment fabriquées en France ou est-ce qu'on les fait fabriquer aussi en Chine, hein? Je sais pas, moi, je pose la question. C'est peut-être la seule chose qui soit encore fabriquée en France, mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Et qui c'est qui a touché une commission cette fois-ci? Parce que les commissions, c'est à hauteur de millions, de millions. Parce que les commandes, c'est à hauteur de milliards. Moi, je vous rappelle quand même que les avions de chasse français sont plus du tout à la hauteur. Que les avions de chasse russes sont... Ils foutent des raclées à tout le monde. Même les Israéliens, ils n'osent plus pénétrer en Syrie parce qu'ils ont peur que les chasseurs russes les descendent. Alors, ils bombardent à partir du Liban. C'est vache, non? Ouais, c'est vache. Bon, et ben comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui se passe en Syrie et des saloperies auxquelles nous, les Français, cet infâme personnage qui est le président français, je veux dire, le dernier paragraphe que je vous ai lu, c'est de mon ami Jean-Paul-Louis Charrier, qui est très engagé, qui connaît très bien les affaires politiques et militaires et qui est absolument scandalisé par ce qui se passe en Syrie, comme tous les êtres humains, comme tout ce que nous sommes. Mais ça veut bien dire que ceux qui nous gouvernent ne sont pas des êtres humains, mais des assassins et des criminels de guerre. Et que les pseudo-philosophes qui font l'apologie de la guerre, soi-disant pour protéger certaines communautés dont ils n'avaient strictement rien à faire pendant des années, c'est quand même se foutre un petit peu de la gueule du monde, vous ne croyez pas? Ben moi si. Donc, je suis contre
Je suis contre le bombardement en Syrie. Je me désolidarise de cette politique française qui est une politique criminelle, terroriste, assassine. D'ailleurs, je suis très inquiet, et je vais vous dire pour qui, pour nous. Parce que nous, les Français, on est contre ce bombardement, à part les personnes qui ne sont absolument pas éveillées et qui croient encore aux informations des journaux des 20 heures. Attends, ça n'était pas bonne. Et donc ces gens-là ne sont pas du tout informés, ne se rendent pas compte. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que souvenez-vous que lorsque le chat, pas le chat de Philippe Gueluc, bien sûr, le chat d'Iran. Le chat d'Iran, c'est pas un chat avec des moustaches et des oreilles, c'est pas comme ça. Quoique les Iraniens adorent les chats, ça je dois l'avouer, et les Turcs aussi, les Ottomans. Autrement dit, c'est très agréable d'avoir un chat sous les genoux. Bon, moi j'ai des chiens. Ok. Donc, lorsque le chat a été chassé par la révolution iranienne, on y a trouvé refuge en France et aux États-Unis, enfin bref, passons, parti avec beaucoup d'argent. Mais la France avait des dettes face à l'Iran au niveau des commandes de pétrole. Et quand l'ayatollah Khomeini s'est retrouvé chef du gouvernement, alors que nous l'avions hébergé contre le chat pendant des décennies, il a dit « Excusez-moi, mais le pétrole, c'est du pétrole iranien. Il faut le payer, monsieur le président. » Mitterrand, il a dit « Non, ton pétrole, non. Moi, je dois l'argent au chat, je donne l'argent au chat. Et je ne le donne pas au chien. » Voilà. Il ne l'a pas donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Iraniens ont fait des attentats en France. Et qui c'est qui a payé la note? À votre avis? C'est les citoyens. Alors, ce qui va se passer, là, avec toutes les saloperies que cette espèce de petit crétin, là, qui va envoyer l'armée bombarder la Syrie, c'est qu'il va y avoir des actions de représailles, évidemment. On vous bombarde, vous faites quoi? Vous attendez à bras ouverts les scuds? Non. Regardez en Israël, ils sont bombardés, ils bombardent. Ils rigolent pas, eux. Tu m'as touché un cheveu, moi je vais t'arracher la tête. C'est comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce que vous croyez qui va se passer en France? Alors j'ai des amis très éveillés qui, eux, ont eu des flashs, ce qu'ils appellent des flashs. Et on craint, j'en ai parlé avec mon ami Greg tout à l'heure, et nous craignons une attaque chimique chez nous. Chez nous. Mais alors le problème, c'est que je ne suis pas certain que cette attaque chimique vienne justement des Syriens. J'ai comme l'impression que ça viendra de notre gouvernement contre nos citoyens pour valider les actions qu'ils ont menées là-bas. Parce que comme ils voient qu'on n'y croit pas, alors maintenant, il faut qu'ils soulèvent la haine. Et pour soulever la haine, il n'y a rien de mieux que de faire un attentat comme à Nice, comme à Berlin, comme en Angleterre, comme partout. Avec des déséquilibrés. C'est déséquilibré. C'est des déséquilibrés qui sont des assassins. Mais c'est quand même classé comme des terroristes. Mais déséquilibrés. Monsieur Macron, sérieusement, vous croyez vraiment qu'on est tous des imbéciles? Vous croyez vraiment? Je crois que oui, vous le croyez. Mais vous savez, parfois, l'imbécile, c'est celui qui croit que l'autre est comme il croit qu'il est. C'était clair, non? Que l'autre croit comme il croit qu'il est. Voilà, donc... au mois de mai, essayez d'éviter les grandes villes, juste comme ça. Il y a des dates très précises, des chiffres qui appartiennent au calendrier satanique. Donc faites des réserves alimentaires, des réserves d'eau, je vous le demande, pour vous, pour votre famille. Allez à la campagne, prenez un mois de vacances au mois de mai, cassez-vous. Ne restez pas à Paris, ne restez pas dans les grandes villes, à Strasbourg, nulle part. Là où il y a beaucoup de population, c'est là que ça fera le plus mal. Donc nous sommes inquiets. Et ça, évidemment, ça correspond, comme d'habitude, à la mise en place de l'agenda 21.
21. Ok. Allez, c'était une capsule assez courte, mais énervée. Énervée. Je vais retourner à Pandora parce que j'y arrive pas là avec toutes ces informations qui tombent. C'est affreux ce qui se passe. Mais, je peux vous dire que le monde s'éveille. Que les citoyens du monde s'éveillent, prennent de plus en plus conscience de cette arnaque qui est menée par ces salopards qui nous gouvernent, par ces fumiers des partis politiques qui se foutent de notre gueule. Hein? J'oublierai jamais Fillon qui faisait garder ses gosses par un des jeunes de son parti qui était noir et qui était sans papier, il devait le savoir, et après il a prétendu que c'était pas vrai, qu'il ne le savait pas. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là, mais ils se foutent tout le temps de notre gueule, et la seule chose à laquelle ils pensent, c'est aux pépettes. C'est qui ça qui m'appelle? Ah oui, voilà. Les affaires reprennent, les affaires reprennent. Les gens prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe, que vous le vouliez ou non, messieurs qui nous gouvernent, qui nous gouvernez, il va se passer quelque chose de très grave et c'est pour ça que vous accélérez les vaccinations. Alors non content d'invalider les enfants, maintenant vous voulez invalider les jeunes. Mais attendez, mais vous êtes des criminels, hein. Il va falloir qu'on vous juge, hein. Vous serez jugés et si c'est pas par nous, les humains, ça sera une justice divine. Vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra parce que tout le mal que vous faites à l'humanité, ça ne vous sera jamais pardonné et certainement pas dans votre autre vie. Bon, peu importe. C'est pas du tout une malédiction, c'est ce qui vous arrivera, c'est inévitable. Si vous n'êtes pas dans le bien, vous êtes dans le mal. Et monsieur Macron, vous êtes dans le mal, vous et toute votre famille. Hein? N'oubliez pas que son gendre est à la tête des organismes de statistiques. C'est facile, non? Tout ça, c'est de la manipulation. Éteignez votre télévision, jetez-la par la fenêtre ou ne gardez que le moniteur. Ne regardez pas les informations. Cessez de tomber dans ce piège de la fausse information. Lisez plutôt la presse étrangère. Mais pas la presse anglaise, évidemment, parce que. Enfin, quoique, il y a quand même. Les Anglais, ils dénoncent aussi, hein. Quand même. Mais en France, on dénonce plus rien. C'est vraiment la catastrophe. D'ailleurs, vous aussi, les journalistes, vous allez payer le prix. Comment est-ce que vous pouvez servir et mentir comme ça aux citoyens? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Surtout avec les vaccins. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, hein? Parce que vous êtes payé, c'est ça? Et si vous le faites pas, vous dites comme Papon, hein? Qui signait les bons, qui envoyait les juifs dans les camps. Alors on va pas me dire que on les envoyait au Club Med, hein? Hein? Les révisionnistes, ça suffit. On les envoyait pas au Club Med, ça je peux vous le garantir. Parce que les 400 000 juifs hongrois en 45 qu'on a envoyés dans les camps, ils n'étaient pas au Club Med et ils sont pas revenus. Alors ils sont partis où? Non mais arrêtez un petit peu ça. Et ben Papon, quand il a signé, après, à son procès, 45 ans plus tard, oh oui, mais si ça n'avait pas été moi, ça avait été un autre. Ça aurait été un autre. C'est toujours comme ça la phrase qui tue. Bon, je vous signale quand même que Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui. Il n'a pas accepté ça. Et lui, il est parti en Angleterre. Il y a plein de Français qui ont pu partir, qui se sont dévoués pour partir, parce qu'ils ne voulaient pas vivre de complicité comme celle-là. Donc, les journalistes, hein, dites pas si c'est pas moi, c'est un autre. Hein. Faites votre boulot. Quittez vos rédactions. Créez vos propres journaux libres, de presse libre. Faites comme RT. Mais si vous ne faites pas ça, vous serez des chiens. Hein. Vous allez vous faire laminer par le peuple. Parce que moi, j'ai eu cette maman tout à l'heure, qui était désespérée, qui a perdu son fils. Mais vous croyez que les parents qui perdent leur gamin à cause de leurs mauvaises informations, de vos mauvaises informations, vous croyez qu'ils vont vous pardonner? Mais ils vont vous lyncher tous. Les hommes politiques, le président. Tous, vous allez être lynchés. Madame Buzyn, je crois qu'il va falloir que vous alliez immigrer en Israël. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous serez jugés. Tous, vous serez jugés. Vous êtes tous des criminels. On a toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. J'ai réuni toutes les preuves là-dedans que les vaccins sont toxiques. Il y a toutes les preuves. Dans Pandora 3 également. Et dans Pandora 4 qui va sortir.
Il y a toutes les preuves. Alors, c'est impossible, impossible que vous, les scientifiques, vous ne le sachiez pas. Et tout ce qui se passe en Syrie, c'est exactement pareil. Ah oui, il est énervé, Jean de Rocque, aujourd'hui. Mais il en a marre, Jean de Rocque. Il en a marre de voir des humains s'arracher la tête pour rien. Justement, vous ne comprenez pas que vous faites le jeu des malfaisants, des forces du mal qui ne veulent pas que vous vous éveilliez. C'est ça le problème. Le jour où l'humanité sera éveillée. Et c'est vrai, j'ai eu un ami qui m'a parlé et qui m'a dit, mais d'ailleurs on devrait se mettre d'accord. Tous les jours à 19h, c'est pas une blague, hein, tous les jours à 19h, tout le monde, tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent, à 19h GMT, tout le monde fait une méditation de une minute de pensée positive ou de pensée vers l'amour et vers la concorde. Je vous assure que si nous arrivons à nous relier tous comme ça, à 19h tous les jours, on peut changer le monde. Ça vous paraît idiot, hein? Mais ça l'est pas du tout. Allez. Je peux pas vous souhaiter un bon dimanche avec ce qui se passe en Syrie, et je peux pas vous souhaiter un bon dimanche ou un bonne fin de samedi avec le drame de cette famille qui m'a appelé tout à l'heure. Je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Parce que j'ai juste envie de chialer avec ce qui se passe. Alors s'il vous plaît, éveillez-vous. Éveillez-vous, réveillez-vous, diffusez ces vidéos, traduisez-les. Il faut que ça circule partout parce que nous sommes là justement pour tenter de sauver les enfants, maintenant les jeunes gens. Et je suis désolé de vous le dire, mais il est prouvé, la Cour européenne a prouvé que le vaccin contre l'hépatite B était toxique et que là, les deux savants italiens, maintenant, ils commencent à être... Mais alors, on commence à leur briser les genoux. C'est Big Pharma qui leur brise les genoux parce qu'ils ont fait des découvertes épouvantables concernant les nouveaux vaccins, dont le Gardasil, l'hépatite B, le vaccin contre la grippe, et puis 25 vaccins. 25. C'est pas mal, non? Et en attendant, l'OMS va vacciner les enfants syriens avec la polio et ils attrapent la polio. Voilà dans quel monde nous vivons. Allez, salut.